Frères et sœurs, bonjour. Nous comptons ensemble avec vous matin, qui c'est lundi 8 janvier, pour nous capables ensemble étudier le son École Sabbat. Juste avant de commencer, nous invitons pour baisser tête pour nous prier. Éternel Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous bénissons. Nous disons merci pour nuit longue pour nous passer bien. Merci pour le souffle de vie que vous conservez en nous. Alors que Seigneur Dieu nous pral étudier parole, nous demandons pour capable imprégner nous de cet esprit de manière à ce que nous capable comprendre et mettez en pratique tout ça que vous voulez enseigner nous matin. Avec nous dirigez-nous, nous ne pouvons pas dire, mais c'est une prière dans notre petit Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Bienvenue l'autre fois encore, Frère Maxime. Jeudi à ce lundi 8 janvier, pendant la semaine, nous avons étudié la deuxième leçon hein, qui est pour titre « Enseigne-nous à prier ». Verset à mémoriser, c'est dans Luc 11, verset 1er que le joigne, côté que lui dit « Jésus priait un jour en un certain lieu ». Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Luc 11, verset 1er. Leçon pour journée jeudi, lundi 8 janvier, c'est la foi dans les moments difficiles. Eh bien, tout chrétien connaît ou bien te connaît moments difficiles, moments de désespoir, souffrance, des moments côté qui a cherché à comprendre, ça fait que Seigneur a quitté sa passé. Pour qui ça Seigneur a quitté sa passé comme ça? Il a demandé tête yo pour qui ça Seigneur a permettre que bagaille ça y arrive. Eh bien, psalmiste surtout te passé dans difficulté ça yo. Yo te gagné même problème yo et c'est grâce à inspiration divine que yo rapporté ça qui était passé, ça était vivant à travers les psaumes. Yo mande nous pour nous lire le psaume 44. Eh bien, dit nous qui ça passage ça dit nous et pour qui ça li pertinent pour nous-mêmes croyants dans n'importe période nous à vivre dans n'importe temps que nous à vivre. Eh bien, choix somyo dans culte adoration, li reflète souvent exclusivité état d'âme et parole que nous exprimer dans prière commune nous yo. Ça veut dire que et choix que nous a fait de somyo dans culte adoration li doit en fonction de qui je nous senti nous en fonction de ça qui a fait. C'est-à-dire faut nous chercher des psaumes appropriés pour les circonstances. Et bien dit nous et là nous fait restriction et par exemple nous gagne bagage qui passer nous mais nous pas décider parler de lui, nous pas décider prier sous lui, nous pas décider leader son sous lui. Et bien ça vient un signe de incapacité et pour nous capable affronter et réalité que nous gagne dans la vie nous. Parce que il y a des réalités qui sont dans la vie nous, chers frères et sœurs. Des fois nous seulement quitter problème d'abdominer nous mais nous pas présenter mon Dieu. Bien que nous parfois des sentiments que bon Dieu a traité nous injustement lorsque souffrance a frappé nous. Eh bien, et des fois nous pas trouvé approprié pour nous exprimer penser nous dans culte adoration en public ou même dans une prière privée. Eh bien, retirons ça car va faire nous passer à côté de objectif de adoration chers frères et sœurs. Lors à adorer bon Dieu, lors ou à servir bon Dieu, faut faire connaître à Dieu tout ce gagné par des prières et des supplications. C'est ça, Philippiens 4, verset 6, dis-nous, chers frères et sœurs. Donc, dans nos situations difficiles, on ne peut pas négliger parler avec bon Dieu. Et nous voyons que les psaumes, c'est une façon pour nous capables de prier, une façon pour nous capables de parler avec Seigneur. Eh bien, dis-nous que les nous pas décider d'exprimer ça nous sentir à travers la prière, à travers les psaumes, ça prive nous également de l'assurance et de la confiance que nous besoin pour nous capable approcher nous de Dieu. Toutefois, on dit nous la prière avec les psaumes ba nous assurance que nous capable sans avoir et renier ou renoncer à notre expérience de la souffrance prier et adorer Dieu. Ça veut dire que somme des fois, il des bagages ou pas qu'a dit mais somme permettre que parole qu'on pas qu'a sortir dans bouchouan seul edo exprimer. Le psaume 44 par exemple, li aide fidèle pour exprimer librement et adéquatement expérience concernant la souffrance. Prier avec les psaumes li aide nous pour nous faire l'expérience de la liberté de la parole dans la prière.
Les psaumes, yo ba nou des mots que nous des fois nous pas ka joindre ou bien des mots que nous pas oser prononcer. Gen des bagay nous pas envie di à voix haute pour moun tande nous. Mais nous capable li un psaume. Mais comme ça bon Dieu, li a tande nous. Eh bien, je dis nous et les nous appli dans le psaume 44 verset 18 et 19, il dit notre cœur ne s'est pas détourné. Ne s'est point détourné. Non pas ne se sont pas éloignés de ton sentier pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous ouvres de l'ombre de la mort. Psaume 44 verset 18 et 19. Eh bien, parole ça yo, c'est en façon côté que le fils de Kohé a dit comme ça, mais Seigneur, nous suivons trace nous faisons demander, mais pour qui ça s'arrive nous comme ça? Eh bien, chers frères et sœurs, là où on a une situation difficile, parle avec, mais tout. Parle avec pour comprendre. Parle avec pour demander comment ça fait passer comme ça. Parce que, ou fidèle à lui-même. Chers frères et sœurs, il n'y a pas un mauvais bagage, non, pour réclamer à Dieu. Pour réclamer à Dieu. Si vous êtes capable de réclamer aux hommes, pourquoi vous n'êtes pas capable de réclamer à papa? Là où on a l'acheté, et il y a bon monnaie en manqué. Ou à réclamer ou dit mais mes amis pour qui ça bon monnaie manqué mais le manqué les pas connait ou gon bill pour payer eh bien yo facture plus cob ou à réclamer mais réclamer à Dieu. Notez bien l'on fait affaire bien ou est que ça pas marché ou réclamer ou payer toute sorte de pour payer puis tout ou est yo bon l'autre bill la piro réclamer même payer toute bagaille m'te payer bill la moi ça pour qui ça li monter. Ça c'est la réclamation parce que ou fait ça ou pour faire. C'est de même en tant que chrétien, nous même nous devons faire ça pour nous faire. Nous devons faire ça bon Dieu mande nous. Et bien comme ça les bagailles pas marcher faut nous dire l'Éternel. Tout ça dit me faire moins faire mais pour qui ça ça pas marcher. Faut nous parler à Dieu. Faut nous parler à Dieu. Et bien aussi nous et prêtez attention dans début psaume 44 là. Nous parlons d'une autre bagaille qui est vraiment important. L'auteur lui parlait de la façon dont dans le passé Dieu t'a fait de grandes choses pour son peuple. L'auteur lui exprimait donc confiance en Dieu et non pas et dans propre capacité. Psaume 44 verset 6. Malgré cela, le peuple de Dieu lui te connaît des difficultés. Je dis nous la liste des malheurs et des lamentations lui longue et douloureuse. Cependant, même au milieu de tout cela, le psalmiste lui criait délivre. Délivre-nous à cause de ta bonté. Psaume 44, verset 26. Délivre-nous à cause de ta bonté. Nous, un psalmiste, il prend temps pour le citer côté que bon Dieu t'est marché avec eux. Côté que bon Dieu guidé eux dans le passé. Côté que bon Dieu fait de grands bagailles pour le peuple. Mais c'est de même. Lors d'un moment de difficulté, ça va vous dire que pour suspendre, compter les bienfaits de Dieu. Passez dans tête tout. Priez, bon Dieu. Mon Dieu. Regardez qui j'ai été délivré dans telle situation. Regardez qui j'ai été campé pour moi dans telle situation. Mais Seigneur Dieu, c'est qui a passé qu'on y a. Seigneur Dieu, moi voulais face ou, moi voulais sentir présence ou. Seigneur, moi pas comprendre ce qui a passé. Et nous voilà là, au talent, pral passer un lord. Au talent, li pral passer un lord. Li dit délivre-nous à cause de ta bonté. Des fois, faut qu'on passe l'éternel lord. Des fois, faut qu'on exige dans mes bon Dieu. Même Jean que et Jacob lui-même il était lutté avec l'ange là, il était dit que faut que lui béni et bien ou même tout des fois faut que lutter avec Dieu. Délivre-nous à cause de ta beauté. Ça sont impératifs que lié, ça sont l'ordre que lié. Et bien monde qui doit capable passer bon Dieu l'ordre. Debout faire affaire droite ou capable passer bon Dieu l'ordre. Depuis ou fait ça bon Dieu mandé ou pas gagne tout dans manche. Et c'est bon Dieu seulement qui gagne, on pas gagne l'autre direction. Et bien on a dit l'Éternel, mon fais ça mandé et bien délivre-moi. Délivre-moi. Et bien pas oublier que bon Dieu lui-même, lui c'est l'amour et puis l'a délivré. Je dis nous pour finir comment le fait que nous espérer nous des moments qui passaient côté que bon Dieu était là pour nous, capable aider nous pour faire face au moment de problème pour nous penser que bon Dieu pas trop loin. Et mes chers frères et sœurs, et ça fait nous supposer compter les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'est dit que leur compter, les ça qui te fait pour devant et dans le passé, ou compter yo, ou songer yo, et bien les moments difficiles arrivent, ou pas peut branler non,
ou ap tann. Ou pa pran le nom, ou ap konnen la vin délivré yo parce que li te fèl déjà et la fèl encore. Et bien frère Maxime, c'est comme ça nous présentons le son matin. Qui te gen pou titre la foi dans les moments difficiles. An nou baisse tête nous pour nous prier. Seigneur Dieu, nous connaît que tout autant que Jésus beaucoup retourné n'a toujours fait face à des moments difficiles sur cette terre. Seigneur Dieu, merci parce que ou te promettre nous un consolateur. Un consolateur qui pour convaincre nous du péché, un consolateur qui pour consoler nous dans la tristesse, dans les moments difficiles. Merci parce qu'on pas quitter nous pour connou. Seigneur, problème monde ça li difficile. Problème monde ça li en pile. Mais Seigneur, nous connaît que ou prendre nous plus que vainqueur. Seigneur Dieu, couvre chaque petit ou yon en bazel ou. Seigneur Dieu, gen qui a passé moment difficile, qui a passé de grandes tribulations. Mais Seigneur Dieu, après les tribulations, et bien les moments de joie, y'a va venir. Seigneur Dieu, ouvrez que nous prospérer à tous égards. Seigneur Dieu, si c'est péché nous qui fait nous pas qu'à prospérer. Et bien Seigneur Dieu, élimine le péché en nous. Élimine les iniquités en nous. Comme ça, Seigneur Dieu, n'a va prospérer. Et bien Seigneur Dieu, fais-nous reconnaître tort nous. Sondez-nous, Seigneur. Fais-nous connaître tort nous pour nous changer et comme ça pour nous gloire, Seigneur. Papa, nous allons continuer à exiger, nous allons continuer à demander pour faire nous grâce en cette nouvelle année. Avec nous, dirigez-nous, nous ne sommes pas dignes. Merci de prier au Seigneur, notre petit Jésus, qui vit au siècle des siècles. Amen. Merci et merci encore une fois, chers frères et sœurs. Nous sommes contents avec vous matin. C'était fort Ismaël, chéri. Que bon Dieu bénisse.